Salut les légionnaires, salut. Salut. On vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo Légion Distribution. On va vous montrer une partie de Balade en Provence. On a un exemplaire en anglais avant l'arrivée du jeu début avril, fin mars début avril. C'est un jeu en ProRes 4, donc c'est un jeu qui s'adresse à tout public, un jeu familial. Vous allez voir qu'on n'est pas habitué trop ici à jouer à des jeux familiaux, donc vous devriez bien vous marrer. C'est un jeu aussi qui demande beaucoup de réflexion, c'est pas notre point fort non plus. Anaïs n'étant pas là aujourd'hui pour nous accompagner, ça va en plus pas vraiment améliorer le niveau. On va directement faire une partie sans s'apesantir sur les règles comme je vous ai dit, comme ça vous pouvez voir comment ça se déroule et on vous expliquera au fur et à mesure de la partie les trucs et astuces qui donnent tout le sel de ce jeu, si on tient la partie entière parce que nos cerveaux ne sont pas forcément habitués. C'est parti messieurs. C'est parti. Donc dans Balade en Provence, vous jouez un photographe, une photographe en l'occurrence sur le dessin. Qui doit prendre les plus belles photos de Provence possible. Dans la lignée donc du jeu précédent qui était Balade à Burano, où il fallait redécorer les façades des bâtiments du quartier de Burano à Venise. Ici, il faut donc prendre des photos de la Provence, mais en respectant des agencements qui vont vous rapporter des points, un nombre plus ou moins élevé si vous êtes le premier à prendre la photo, un peu moins si vous êtes le deuxième, encore moins si vous êtes le troisième. Donc vous pouvez prendre des photos avec votre petit photographe Timple. Et vous pouvez prendre des photos avec le drone, l'un ou l'autre, ou les deux même pendant le même tour. Il n'y a pas de premier ou deuxième joueur, tout le monde joue simultanément. Donc comment ça se passe? Au début de la partie, on pioche chacun deux cartes. Merci. Donc ça s'appelle exactement des cartes de scène. Donc, sur ces deux cartes, il y en a une que vous allez placer à côté de votre carte qui est déjà sur la table, de votre carte de démarrage, de manière à former des combinaisons de champs de blé, forêt, tournesol, champs de lavande, magasin, église, etc. De manière à remplir les objectifs qui sont au milieu de la table. Ici, il va falloir faire des photos avec votre photographe et ici avec votre drone. Bien sûr, les champs de lavande ou de blé dans la photographie qui est là pour le photographe et là pour le drone doivent être adjacents les uns aux autres, orthogonalement adjacents, la diagonale n'existe pas. De ces deux cartes, une va être posée à côté de façon orthogonale à votre carte de départ. Vous avez le droit de couvrir une, 2, 3, 4 cases, ou sinon vous la placez de façon orthogonale. Vous ne pouvez pas la placer en diagonale et vous faites votre composition. Et la deuxième carte, vous la posez à votre gauche. Donc c'est parti, moment de réflexion. Le moment difficile. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. C'est bon. Ensuite, il y a la phase où on va placer notre photographe et ou notre drone qu'on doit placer sur une case libre, c'est-à-dire une case, soit la case avec le scooter, parce que mademoiselle arrive au scooter, soit une case avec les arbres de n'importe quelle carte, de façon à pouvoir prendre la photo. Moi, messieurs, je ne bouge pas. Moi, j'ai juste bougé pour le faire, pour dire qu'elle s'est promenée. D'accord, ok. Tu ne bouges pas non plus. Bon, je pense qu'au premier tour, aucun de nous n'est en capacité de faire une photo utile au jeu, n'est-ce pas? Si l'on peut prendre. Non. Et je ne sais plus ce que je disais. Donc, du coup, c'est la fin du premier tour. À la fin du premier tour, on va refaire notre main en prenant la carte qui a été donnée par la personne à notre droite et en piochant une carte chacun de la pioche. La partie se fait en 10 tours de jeu. En fait, tout simplement, à la fin du 10e tour, il n'y aura plus de cartes dans la pioche. Donc, on reprend sur le même principe. On va poser une carte pour composer un paysage et l'autre carte, on va la poser à notre gauche. Ça fera partie de la pioche du joueur à votre gauche pour le tour d'après. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire des photos?
parce que c'est bien beau de poser des cartes, mais... Il faut pouvoir faire des photos. Il faut pouvoir faire des photos. Allez, c'est bon pour moi. Ah, rappelez-moi de ne pas poser la carte trop fort, à côté du micro. Je suis fait la même réflexion la première. Est-ce que vous déplacez vos comparses? Moi, je vais faire comme Damien, il se balade. Voilà. Moi, il se balade ici. Parce qu'il n'y a pas de photo encore chez moi, là. Et... Je pense que tu t'es fait avoir, Anto. Oui. Je pense que t'as pas le bon objectif pour ton photographe. Non, encore, je me suis encore fait avoir. Mais on va leur montrer pourquoi. Moi, je vais tenter une photo. Tout le monde s'est baladé. Allez, tente en premier. Alors, je sais pas trop, avec mon drone. C'est ton drone, vas-y. Donc avec le drone, je vais prendre la photo ici. Donc je vais avoir 4 champs de lavande, un tournesol et un moulin. Et il me semble que là, j'ai 4 lavandes, un tournesol, et un moulin. Allez, ça marche. Donc du coup, tu mets ton petit pion et tu marques 8 points. Anto, tu voulais faire une photo? Ouais, je voulais. Bah vas-y, montre-la. Allez. Donc je comptais faire la photo où je prends l'église et 4 tournesols. Mais malheureusement, je prends que la moitié de l'église. Et donc? Ici. Donc du coup, bah, ma photo n'est pas validée. Il faudrait que je la prenne totalement. Et là, c'est pas possible. Et c'était pour faire? C'était pour faire celui-ci. Donc 4 tournesols. Je te sens tout dépité. Je suis déçu. Pour la première fois. Ni la dernière. Moi, j'ai pas de photo à faire. Voilà. Donc, on passe au tour suivant. Hop. Vas-y. À toi. Déjà fini? Il s'est dopé. C'est moi qui sais pas. Petite balade en Provence? Allez, petite balade en Provence. Moi, elle se met là. Toi, tu vas dégager de là. Moulin. Te mettre momentanément quelque part par là, on est bon. On ne peut pas recouvrir le photographe ou le drone avec une carte. Du coup, là par exemple, j'avais pas déplacé mon drone autour d'avant, je l'avais laissé là parce que j'avais pas de photo à faire. Je me suis fait avoir parce que si en le recouvrant, j'aurais pu faire une photo, mais il était là, il prenait la place. Est-ce que les bâtiments, on peut les recouvrir? Non. Tu peux recouvrir le bâtiment si tu le couvres intégralement. Okay. Tu n'as pas le droit de recouvrir la moitié de l'église, qui est le seul bâtiment qui prend 2 cases sur une carte. Okay. C'est comme les photos, tu ne les fais pas à moitié. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Ça, c'est ton domaine, c'est pas Alors, du coup... Moi, je vais faire une photo. Encore? Ouais. Alors, bon. Dernière partie aussi, hein. Il a fait comme ça. Je suis bien parti, mais j'ai mal fini. Et là, il a fait 2 tours, puis après, il s'est arrêté. Voilà. Là, c'est mes 2 tours de BA, donc je fais ma BA et terminé. Allez, voilà. Allez, je vais vous montrer. Donc moi, je vais prendre une photo avec ma photographe, ici, où je dois avoir 5 lavandes, donc j'en ai même 6, pour faire celui-ci. Très bien. Donc tu marques 7 points. Anto, t'as une photo à faire? Rien du tout. Moi, je vais faire une petite photo. Je crois. Je sais plus ce que je voulais faire. Donc... Une église et 4 lavandes et 5 lavandes. Donc je fais 2 photos en une, je me mets là et je me mets là. Ok, une église, 4 lavandes et 5 lavandes, super. Le combo de ouf. T'as vu ça? T'as vu la classe? C'est beau, c'est magnifique. C'est pas fait exprès. Je viens de me rendre compte que j'avais les deux en fait. Je voulais en faire qu'une. On est bon? Ben oui, pour moi. Allez. Bon, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Le temps de réfléchir et on arrive tout de suite après. Alors ça demande réflexion parce que en plus de devoir
placez vos cartes suivant les schémas des photos à accomplir. Il y a aussi, à la fin de la partie, des points qui vous sont attribués suivant comment vous avez placé vos champs de lavande, vos champs de blé, vos tournesols orientés vers le soleil ou pas, comment sont placés entre les divers commerces. Du coup, il faut à la fois réfléchir sur le placement du moment, mais aussi sur le placement général de votre panorama, histoire de ne pas perdre des points à la fin, parce que vous pouvez perdre des points à la fin. Par exemple, si vous avez des champs de lavande orientés horizontalement, côte à côte avec des champs de lavande orientés verticalement, vous allez perdre des points. Si vous avez des champs de tournesol qui ne sont pas orientés vers le soleil, vous allez perdre des points. Ça, c'est moi. Ça, c'est lui, etc., etc. Donc, c'est pour ça que ça demande quand même pas mal de réflexion. On est bon pour tout le monde ? Ouais. Placement ? Placement. Placement. Je déplace mon drone. Je déplace mon drone. Toi, tu vas te mettre loin. Moi, c'est bon. Allez, je vais tenter une petite photo. J'espère que ça va marcher. Alors, je l'ai pas. Voilà, c'est un échec mémorable. Je vais vous expliquer quand même. Je voulais faire 1, 2, 3, 4, mais il est trop petit le drone. Plus les deux maisons. Mais en fait, non, il va pas assez loin, donc je l'ai pas. C'est Archin, le drone. Voilà, c'est ça. Donc ça sert à rien. Damien, une photo ? Non, moi pas de photo. Non, pas ce tour-ci ? Ouais, ben, tu sais, j'ai fait mes deux tours de photo, terminé. J'ai fini la partie, là. Moi, je vais en prendre une. C'est vrai ? Ouais. La moitié de l'église, c'est ça. Même pas, elle compte plus l'église. Donc moi, je vais prendre les quatre champs de tournesol. Maintenant, je suis hors champ pareil, n'importe quoi. Non, mais je vais pas y arriver. Moi, je vais pas faire le point sur cette partie. Alors ? Ça va être une fin de merde, mais toujours déçu. Des impressions. Tout va bien, mais ça, je vais remonter ou pas ? Non, parce que je voulais faire deux maisons, mais non, mais je suis loin. Je voulais faire deux maisons et quatre tournesols. Et deux maisons, il faut qu'elles soient côte à côte. Hein, oui, oui. En plus. Il y a des jours, en fait, c'est ça. Il y a des jours, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, c'est fou. On refait notre avec ? Allez, c'est parti. Je le retente. On va voir si ça passe. On y croit. On y croit. Une petite balade ? Allez, mon drone là, il part en balade ici. Et mon photographe, il voulait faire quoi lui ? Oh, là, il est couché au sol. Ouais. Il t'aurait fait la sieste. Ça fait la pause. Avec la petite paille dans la bouche. C'est l'été. C'est écoute, un pastis. C'est ça, le chant des cigales. Moi, je vais faire une photo. Alors, je vais la faire en premier, s'il te plaît. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours toi qui fasse la photo. Ok, pas de soucis. Surtout en plus, à chaque fois que tu poses ton pied en premier en croyant que tu vas être. Non, 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 c'est à moi. Hugo, tu te laisses dans le rôle. Tada ! Moi, je fais des vidéos, je fais pas de points. Je fais des gros plans. Enfin, on n'a pas encore vu le résultat. Ouais. Ah, vous nous direz en commentaire à la fin de la vidéo si ça tremble pas trop. Tous les tremblings, c'est lui. Parkinson. Sauf ceux de Cédric. Donc, un moulin, 1, 2, 3, 4 lavandes. J'ai même deux tournesols. Magnifique. Donc, je fais celui-là. Donc, comme peut-être tu peux montrer, comme je suis le deuxième à l'effectuer, dans un tour différent de Damien, je me place en deuxième sur l'échelle de points. Si on l'avait fait en même temps, je me serais mis à côté de lui. Enfin, dessus lui, parce que bon, il n'y a pas de raison. Ça, c'est bon. Une autre photo ? Non ! C'est bon pour moi. Antoine, une photo ? Ouais. Je vais peut-être la réussir cette fois-ci. À force de réitérer, de retenter. Donc, 5 lavandes. Magnifique. 6 même. 7. C'est bon ? Ouais. Donc 5 lavandes. Ça va être ici. Hop. T'arrives après la guerre. Ouais, mais c'est déjà 5 points. Et moi aussi, jusqu'ici, j'en avais pas. Ah, tu fais une photo aussi ? Je fais ma petite photo, ouais. Avec mon drone. Donc je vais me mettre ici. Je vais avoir 4 lavandes et 2 maisons. En effet. Et donc je vais pouvoir me placer en premier ici.
Allez. Très belle photo du drone. On est bon pour ce tour-là ? Allez, on est bon. Allez, on refaille. Rappelle-moi le point d'oreille, on peut recouvrir dessus. Dessous. Dessous aussi ? Tout à fait. Oh, ok. Le plus drôle dans tout ça, c'est que. On fait cette vidéo de ce jeu, donc. Tout public, familial, c'est pas vraiment le type de jeu qu'on fait en dehors de la gamme en Pro Rescar. Et alors, tous les mecs qui vont regarder la vidéo sur notre page, ils vont s'attendre à voir. Des belles figurines peintes, du zombie qui explose. Non, messieurs, nous sommes en balade en scooter en Provence. Avec notre petit appareil photo. Et nous prenons des photos. Et on s'éclate. Ouais, on s'éclate. On s'éclate. Ouais. Je sais plus où j'en étais. On en est à la petite balade. Justement. À la petite balade. Alors, on va les tenter. Anto, t'as fait des petites promenades ? Là, se promène. Ok. Alors moi, tu as des photos à faire ? Oui, j'ai une photo. Allez. Allez, on commence par là. Bon, de toute façon, je vais tenter cette photo-ci. Donc, je vais avoir 4 lavandes plus mon église qui va correspondre à celui-ci. Donc, je vais arriver sur les 4 points puisque tu as déjà fait la photo un autre tour avant. Tu as un autre à faire ? Non. Moi j'en ai deux, je pense. Donc je sais plus ce que c'était, donc je le pose. Si j'ai mis le drone là, c'est qu'il y avait une raison. Il est trop court, tu vois. Il y a 4 lavandes et une et deux maisons. Voilà, donc il fait rien du tout. Trop court, l'histoire d'une vie. Et alors ensuite, je vais tenter avec elle. J'ai dû la mettre là pour une raison. Oui, c'est ça. Nous avons 1, 2, 3, 4 champs de blé et deux maisons. Donc je fais celui-là. Bien joué. Anto, photo ? Ouais. La même que Damien. Ah, copiteur. Eh ouais, je copie. Anto, photo ? Ouais, la même que Damien. Donc, mais même pas, mais n'importe quoi. De pas, c'est pas possible. C'est bon, c'est foutu, c'est parti, je vais pas y arriver. Arrêtez, soutenez-moi, je sais pas, faites quelque chose. Balancez un peu de mojo depuis de l'autre côté de votre écran, je sais pas. C'est pas possible. Oh putain. Bon, mais non. Bon, on fait la même. Pardon, excusez-nous. Faut qu'Anaïs revienne, c'est pas possible. Anaïs, si tu nous entends. Je suis bon. Anto ne dit rien. Je vais pas laisser le monopole de la lavande à Damien là-bas. Bah ben là il l'a pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 10, moi je peux rajouter 2 là, ça fait 9. Et tu les as rajoutés, ils sont pas collés aux autres. Ça vient. Ah mais ils sont pas dans l'autre sens, c'est con. Mais c'est pas. T'étais pas mal là comme tu t'étais mis là. Oui, à un moment t'as failli arriver. Mais non, mais là je peux pas. Tourne. Voilà, comme ça. Voilà. Tout simplement. Oui, non, mais j'ai le tournesol à l'envers. Attends, pas comme ça. Quoi. Pas deux fois. Pas comme ça. Bah, c'est pas grave, je crois. Pour là, comme ça. Voilà. Alors, déplacement, elle va rester là. Lui, il me faudrait une église, 4. Allez. Moi j'ai une photo à faire. Moi je peux rien faire les amis, allez-y, jouez sans moi. Allez. Continuez, voilà. Faites comme si j'étais pas là. C'est déjà le cas. Hein. C'est bon ? Oui, c'est bon, moi je... J'ai une petite photo à faire. Donc c'est exactement la même photo que tout à l'heure, mais avec un champ de blé de plus. Voilà. Il y en a 6. Donc je fais celui-là. Voilà, c'est tout. Du coup, on refait le direct ? Ben ouais. Allez, ah ouais, parce que moi c'est bon, j'ai pas de photo. Il n'en est pas. Est-ce que c'est bon pour ton petite balade ? Petite balade de drone. Toi, tu vas partir là-haut.
Quand j'ai fait toutes les photos, oui, j'ai fait toutes les photos. Allez, moi j'ai une photo de fait à faire en drone. Tiens là, hop. Cette fois, ça devrait marcher. Donc je vois 4 lavandes et 2 maisons. Exact. Donc du coup, je fais celui-là. Hop. Et c'est tout. J'ai une petite photo à faire moi aussi. Allez. Avec ma petite promeneuse. Allez, une photo comme ceci. J'ai 5 champs de blé pour faire celui-ci. Non mais moi je suis toujours rien. Toi, allez-y, jouez les gars. Une moitié d'église. Allez, c'est pas bon, du coup, on refait la même. Allez. Je pense que c'est l'avant-dernier tour. Vous voyez, ça va vite quand même. Le temps de perdre, tu sais. C'est bon, Benjamin ? Yes ! Moi, il se balade pas, j'ai pas de photo à faire. T'as une photo ? Ouais. Alléluia, mes frères. Attends, ça passe. Attends, on va immortaliser ce moment. Regardez. Attends, on va rigoler. Je sens qu'on va se marrer. Attention, c'est parti. Et... ben non. 4, pas 5. Je vous montre ce qu'il faut pas faire. Ne faites pas comme moi, et vous gagnerez peut-être. Vous comprenez, on veut tout jouer contre Anto. Je vous avais dit, hein, c'est pas le niveau qui nous caractérise. Donc, je veux pas me répéter, mais Anaïs, si tu nous entends, tu peux revenir, s'il te plaît. Moi, du coup, personne d'autre n'a pas à faire. Pas de photo. Non, moi, je veux bien faire une photo foireuse aussi. Pour être solidaire. Ouais, voilà, solidarité. Bon, donc là, c'est le dernier tour. Donc, ce qui se passe. Non, je suis pas trop tôt, c'était une blague. Tu peux reposer l'appareil. Tu voulais la faire. Non, mais non, c'est bon. Non. Assume. On va pas embêter les gens plus que ça. Bon, le dernier tour, il n'y a plus de pioche. On prend juste la carte que nous a filé notre comparse sur la droite. Et on essaye d'en faire quelque chose. Eh ben écoute, c'est l'église qui arrive au dernier tour. C'est beau. Et moi c'est pareil, le petit champ de blé qui arrive au bon moment. Donc du coup... Ah là, attends, toi, pardon. Quoi, t'as pas mis de blé toi à 5? Je suis à 5 aussi, attends, non. Je fais 6 comme ça, je te le laisse pas. Bim. Mais y a rien là, hein. Y a pas de blé. Bim. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pour prendre une photo. Ça sert à rien d'avoir plus de blé que la personne. C'est pour la photo. Tu vas arriver dans la vie, il faut aussi avoir du blé. Hein. On va vous faire une vidéo God tier, ça devrait lui aller mieux quand même, je pense. Attends, je sais plus quoi faire. Pose là. Non, vous m'avez perturbé. Façon, non. T'as non, plus non. De chance en la mettant au hasard qu'en réfléchissant. Ah, oh, c'est dur. Ah, oh, c'était violent. C'est pas possible, sérieux. Je vais réfléchir. Ouais, réfléchis pas trop, faut que j'aille chercher mes filles à l'école. Tu peux augmenter tes champs de lavande. Ben là, à un moment, le premier champ de lavande, ça arrête, c'est le deuxième qui importe. Je sais pas si vous vous rappelez de ce détail. Tu t'en es rappelé, toi, de ce détail. Oui. Regarde. On l'a bien expliqué. Oui, oui. Et deux. Oui. Et six. Oui. Donc, photo. A priori, oui. Moi aussi. Je pose mon petit drone. A priori. Donc, le drone, il prend une église, 4 champs de blé, un tournesol. Donc, il fait celui-là. Oh, j'ai complété toutes les cartes. Et ben moi, je vais faire exactement la même photo que toi. Si tout va bien. Donc, j'ai 4 champs de blé, une église et un tournesol. Ouais. Donc je vais venir t'accompagner ici. Donc Anto a complété une carte. Une carte. Moi tout à l'heure j'en ai fait deux. Alors l'avantage qu'il a sur nous, c'est qu'il finit la partie avec beaucoup de pions. Alors que nous on en a plus. Oui c'est vrai. Voilà, il faut... Ah moi ouais. J'ai pas fait, ouais, c'est celui-ci. Donc la partie est terminée, on va faire le décompte des points. Alors, à la fin de la partie, on va faire un décompte suivant la composition de notre scène. Donc on commence par les champs de lavande. Votre champ de lavande le plus grand, orthogonalement adjacent, vous rapporte un point par champ. Donc ici, il y en a 11.
Et votre deuxième plus grand champ vous rapporte 2 points par champ. Donc 11 3, et plus 3 fois 2, 6, ça fait 17 points ici présent. Ensuite, c'est le blé. Alors la lavande, si vous aviez eu de la lavande, on va prendre cette carte, adjacente comme ça, c'est-à-dire... dans le mauvais sens. Qui ne sont pas dans le même sens, ça vous aurait fait des points de malus. Ensuite, les champs de blé. Donc les champs de blé adjacents, ça fait 1 point par champ, donc ici 5. Et si vous aviez eu... Peut-être tu peux venir par là, Antoine. Si vous aviez eu des champs en carré, ça fait 2 points par champ, plus 1 point par champ adjacent qui ne font pas un carré. Ensuite, nous avons le tournesol. On va aller chez Damien. Par tournesol orienté vers le soleil, c'est-à-dire vers l'avant de la table. On gagne 2 points. Par tournesol mal orienté, on perd 3 points. Donc ici, il gagne 2 points là, mais il en perd 6 ici. Ensuite, nous avons les commerces. Par commerce, bon, on va venir chez moi. Non, chez Damien, c'est très bien, bouge pas. Il en a deux là. Par commerce différent, il existe 4 types de commerces adjacents. Vous allez gagner 3 points. S'il y en a un, 1 point par commerce. S'il y en a 2, 3 points. 3, 7 points. Et 4, 12 points. Donc ici, Damien, par exemple, il a 3 points pour là et 1 point pour là. Je crois qu'on a fait le tour. On additionne à ça les scores des photos. Et il y a un but global, un bonus global à la fin de la partie. Là, c'est celui qui a le plus de champs de lavande gagne 6 points. Le deuxième, 3 points. Champ de lavande adjacent. Là, c'est celui qui a le plus de forêts adjacentes gagne 6 points. Le deuxième, 3 points. Donc, ça nous donne un score total de roulement de tambour. À la troisième position, nous avons Anthony qui a un score, ma foi, pas si ridicule que ça, de 42 points. Nous avons à la deuxième place Damien, avec 72 points, c'est-à-dire 32 plus qu'Anthony. Finalement, 42, c'était pas terrible. Et moi, je remporte la partie avec 89 points. Voilà. Bravo Cédric. Merci, merci. Bravo, merci. Bravo, bravo. Donc voilà pour Ballon en Provence. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit jeu qui au premier abord peut sembler un peu riche parce qu'il y a beaucoup de trucs à calculer mais qui en fait se déroulent rapidement. On fait une partie en moins d'une heure, à peu près 30-40 minutes. C'est vraiment, ça s'adresse à tout âge, tout style de joueur et ça fera travailler les ménages. Bon run. Merci d'avoir suivi. C'est le tirage des cartes, juste pour les... Merci d'avoir suivi. À la prochaine. Allez, salut. Ciao.